Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. J'espère que vous allez bien. Et avant de vous parler de mon invité d'aujourd'hui, je voulais remercier Luce Lumière pour son commentaire sur iTunes au sujet de l'épisode avec Cécile Doherty-Bigara. Elle écrit « Quelle sagesse, quelle richesse et justesse de chaque mot. Je commence ma journée avec tellement de joie d'entendre ce que mon moi profond a ressenti notamment sur la maternité. Ressent sur l'impuissance face à chaque évidence au quotidien sur l'écologie et sur le féminisme, où même la définition est un sujet qui divise malheureusement. Merci à Laura pour cette belle invitation, et merci à Cécile pour ce partage lumineux. Lucia. Merci Lucia. Et si vous aussi vous souhaitez me contacter, me faire sauter de joie, partager ou soutenir le podcast, vous pouvez laisser un commentaire sur iTunes, me suivre sur Instagram, @hdc.podcast, ou en parler autour de vous, tout simplement. Contrairement à beaucoup de personnes que je connais, j'adore l'hiver. C'est vrai que je suis une fille du soleil, mais j'adore les changements de saison, et tout particulièrement cette période où on met un gros manteau cosy pour sortir, on déguste des tisanes, des chocolats chauds, on fait du sport dans la neige et le soir on mange une raclette, on mange des galettes des rois, des crêpes, enfin bref. Pour moi, l'hiver est une période cosy et gourmande. Et justement, pour accompagner vos raclettes, tisanes ou vin chaud, je vous recommande d'aller sur le site Rose Citron, créé par Azilis, mon invitée d'aujourd'hui. J'ai rencontré Azilis grâce aux réseaux sociaux, et si vous la connaissez, vous savez qu'elle a créé ce blog culinaire pour proposer au monde des recettes délicieuses, colorées, pleines de saveurs, et surtout, véganes. Aujourd'hui, Azilis est également photographe culinaire et vient de publier le livre Nature en rock'n'roll, le guide de l'hiver pour avoir la pêche sans se prendre le chou, j'adore, en collaboration avec Camille Pélissier, naturopathe. J'avais très envie de discuter avec Azilis sur sa décision de devenir végétarienne à 15 ans et je la remercie d'avoir accepté mon invitation. Nous nous sommes retrouvés au Café Bong, au centre de Toulouse, et en buvant un délicieux chai latte, j'ai pu passer un moment formidable avec elle. Azilis est lumineuse, toujours un grand sourire aux lèvres et d'une bienveillance hyper touchante. Je suis ravie de vous partager ma conversation avec Azilis. Changes. Changes come. Bonjour Azilis. Bonjour. Désolée d'ailleurs si j'écorche un petit peu ton prénom. Ah non, pas du tout. Le Z pour moi c'est vrai. Impossible. Ah non, mais t'inquiète, c'est très mignon et c'est pas du tout écorché. Ok, merci beaucoup. Alors, comment ça va déjà? Très bien, merci. Et toi? Oui, mais très bien, merci. Bon, je suis contente de te rencontrer. Oh, moi aussi. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est un peu, tu fais partie un peu du cercle de personnes que je souhaitais vraiment rencontrer quand j'ai décidé de déménager à Toulouse avec mon chéri. J'ai l'impression que dans cette ville, il y a une espèce de... je sais pas, quelque chose, il y a une espèce de aura qui fait qu'il y a plein de gens qui sont là, qui habitent là et qui sont juste géniales. Ah bah c'est super. Dont tu fais partie. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup d'avoir accepté. Avec grand plaisir. On va commencer d'abord, donc pour que nos auditeurs te connaissent, je pense qu'il y en a beaucoup déjà qui te connaissent, par te présenter. Donc je voudrais que tu te présentes en quelques mots et surtout que tu nous racontes quels sont les changements que tu as vécu dans ta vie. Ok, alors donc je m'appelle Azilis, j'ai 37 ans, bientôt 38, je vis à Toulouse depuis une vingtaine d'années. Dans ma vie en ce moment, donc je suis blogueuse culinaire depuis bientôt 8 ans et donc du coup photographe culinaire aussi, voilà. J'ai également un compte Instagram, donc on peut dire que je fais de la micro-influence, je vais mettre ça entre guillemets parce que ça me fait toujours bizarre de me définir comme ça, mais il se trouve que bon voilà, je me sers aussi de mon compte pour présenter des entreprises et des valeurs auxquelles je tiens. Voilà, du coup, parmi les changements qui m'ont amené à tout ça, je crois que le premier, ça a été de venir vivre à Toulouse, il y a 20 ans de ça. Tu viens d'où déjà ? J'ai grandi dans les Landes. Donc c'est pas si loin, c'est pas le bout du monde, mais en fait il se trouve que en général quand on est lycéen dans les Landes et qu'on choisit notre lieu d'études, 99% des étudiants, des lycéens des Landes vont à Bordeaux. C'est la ville la plus proche, c'est à un peu plus d'une heure de route selon là où on habite dans les Landes, et du coup tout le monde va là-bas. Et moi je crois que j'en avais marre de voir les mêmes têtes qu'au lycée. Vraiment, je voulais changer d'air. Voilà, pour une fois j'avais envie de changement. Et du coup je me suis dit bon allez, on va aller à Toulouse. J'avais
jamais mis les pieds dans cette ville. Je suis venue pour la première fois pour m'inscrire à la fac du Mirail à l'époque en psycho. Et c'est là où j'ai vu pour la première fois Toulouse. Donc voilà, c'est assez étonnant parce qu'on en parlera peut-être après, mais les changements, c'est pas forcément un truc avec lequel je suis très confortable. Mais là, je crois que ça a été vraiment le premier gros changement dans ma vie finalement. Et c'est pas vrai, c'est pas le premier, parce que finalement le premier c'était quand j'avais 15 ans et ça a été de prendre la décision de devenir végétarienne. Voilà, ça aussi on va en parler plus tard je pense, mais pour moi ça a été une des décisions les plus impactantes de ma vie. Vraiment ça a été le changement le plus important. Voilà, ouais. Et là récemment on va dire dans les dernières années, le changement le plus important ça a été de quitter mon travail. J'avais un travail salarié, j'étais assistante sociale et du coup j'ai décidé de quitter ce travail pour du coup me mettre à mon compte dans mon métier de photographe culinaire, de blogueuse, de créatrice de recettes. Il y a une petite aventure aussi entrepreneuriale artisanale au passage, mais voilà ça aussi... ça a été un changement très très important pour moi. Tu faisais quoi du coup quand tu étais salariée ? Alors j'ai été assistante sociale pendant presque 7 ans, un peu moins quand même. Je travaillais en pédopsychiatrie, donc dans un établissement qui accueille des enfants qui ont des troubles psychologiques assez importants. Et du coup moi j'avais comme mission d'accompagner leur famille. Donc aussi bien pour ce qu'on appelait dans notre jargon à nous, du soutien à la parentalité, donc les recevoir régulièrement, essayer de les accompagner à cheminer avec leur enfant extraordinaire, essayer de trouver avec eux des solutions pour des accueils de loisirs adaptés, pour penser le futur de leur enfant, aussi bien en termes de scolarité que de loisirs, que de projets de vie. Voilà. Et c'était un travail qui était vraiment très très intéressant au sein d'une équipe vraiment géniale. Donc ça a été une chance de pouvoir travailler avec eux. Et je pense d'ailleurs, beaucoup de personnes me disent « Oh là là, assistante sociale, c'est un métier tellement dur, je comprends que tu as arrêté, tu as dû faire un burn-out. » Alors non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'étais très bien dans mon travail et je pense que c'est peut-être même pour ça que j'ai pu rêver à autre chose, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que voilà. T'as vécu ce que t'avais à vivre. Ouais, et j'étais bien installée et du coup... Pour moi, en tout cas, c'était les conditions nécessaires pour pouvoir me projeter ailleurs. Je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses dans l'urgence, qui fait les choses par impulsion ou autre. Et du coup, voilà, je pense que j'avais besoin d'être tranquille dans ce travail-là pour que mon esprit puisse s'évader et imaginer d'autres choses, je pense. Et justement, du coup, qu'est-ce que ça évoque, le changement, pour toi ? Alors, du coup, le changement, pour moi, de prime abord, je te dirais que c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas très à l'aise. Je crois que je suis une femme d'habitude, je suis cancer ascendant cancer. Donc à un moment donné, si tu veux, bon voilà, on fait pas plus nostalgique que moi. J'aime la routine, j'aime les habitudes, j'aime quand les choses roulent, quand ça va, quand c'est tranquille. Et du coup, le changement, ça fait peur parce que ça vient déstabiliser tout ça. Alors il peut être subi, le changement. Auquel cas, ça peut être agréable ou pas, mais il peut être aussi voulu. Je pense que ça change beaucoup, voilà. Mais du coup, ouais, de prime abord, tu vois, le changement, c'est un peu quelque chose qui, avec lequel, ouais, qui me fait un peu peur parce que ça vient bouleverser un équilibre et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après et ça fait peur, c'est l'inconnu. Voilà, donc moi, c'est quelque chose... Par exemple, tu vois, pour te donner un exemple, je ne suis pas du tout confortable avec l'expression « sortir de sa zone de confort », qui est une expression qui est très à la mode en ce moment, à laquelle on fait beaucoup référence dans plein de discours motivationnels, etc. Moi, c'est une expression avec laquelle je ne suis pas du tout confortable parce que, justement, le confort, c'est confortable. Et pourquoi vouloir en sortir ? Mais quelle drôle d'idée, en fait ! Vraiment, mais quelle drôle d'idée ! Et en fait, je trouve aussi... je me suis demandé pourquoi je pensais ça, de cette expression, pourquoi elle me faisait tant réagir. Et finalement, je pense que c'est parce que je considère... j'ai tendance à toujours voir les choses dans un prisme un peu sociologique. J'étais pas assistante sociale pour rien et je trouve qu'en fait il faut être très privilégié pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Il y a tellement de gens qui se battent pour survivre au quotidien que aller leur dire de sortir de leur zone de confort, pour moi c'est presque indécent en fait, parce que ils ont d'autres soucis en tête. Et je trouve qu'il faut être vraiment bien dans ses baskets, bien dans sa vie, pour pouvoir effectivement sortir de cette fameuse zone de confort. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je l'ai vachement en tête, ça, le fait que c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc moi, j'ai mes propres privilèges. C'est quelque chose d'important pour moi de checker mes privilèges régulièrement, de me dire oui, ok, j'ai un toit sur la tête, j'ai un titre de séjour, je n'ai pas de problème administratif dans le pays dans lequel je suis blanche, je suis dans une relation hétérosexuelle, donc
ouais, pour moi ça va en fait, je peux sortir de ma zone de confort. Mais je comprends vraiment qu'il y ait des gens pour lesquels ça soit super compliqué, je respecte vraiment énormément ça. D'un côté, c'est un côté rassurant parce que parfois quand on a envie de changer ou quand on est en plein changement, on peut se prendre la tête finalement pour des petits trucs. Oui. Et on se noie dans un verre d'eau. Oui, alors qu'effectivement, aussi. Toi, t'as cette capacité de recul, grâce à tes expériences, à ton vécu, qui te permet de mettre les choses en perspective et de te dire, attendez là, oui. Ça va. Oui, c'est vrai. C'est bien, il faut se souvenir de temps en temps que globalement, dans la vie on est, parfois... Ça va, ça pourrait être bien. Donc c'est... Ouais. Merci beaucoup pour ce petit rappel d'ailleurs. Avec plaisir. Et pourtant, tu dis que tu n'es pas très confortable avec le changement. Mais à 15 ans, tu as quand même pris une décision qui n'était pas facile. Et quand je suis ton histoire, j'ai l'impression que c'était presque du jour au lendemain. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce gros changement ? Effectivement, ça a été... Alors, le changement s'est fait du jour au lendemain. Mais évidemment... Il est venu de plein de petites graines qui avaient été semées bien avant. Donc moi, j'ai grandi dans les Landes avec un papa qui était à l'époque éleveur de canards gras et qui faisait du foie gras. Donc bon, on a vu mieux en termes de bien-être animal comme voilà, tu vois. Et dans un département où il y a vachement de chasseurs. Alors moi, personne dans ma famille ne chasse ni rien. Mais bon, voilà, il y a quand même toute cette mentalité... La gastronomie, bah, c'est le foie gras, c'est le canard, c'est le confit, c'est le gibier, c'est très 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 présent, beaucoup dans la culture française, mais effectivement dans les Landes énormément aussi. Et en fait, moi depuis toute petite, j'ai jamais voulu manger de gibier, parce que dans mon raisonnement d'enfant, c'était manger Bambi en fait. Voilà, pour moi les chevreuils c'était Bambi et je ne voyais pas en quel honneur on pouvait manger Bambi, de quel droit quoi. Donc voilà, le gibier c'était les chevreuils, c'était les sangliers, les lièvres, tout ça c'était exclu pour moi d'en manger. Globalement, une partie de ma famille respectait ma décision, on a essayé de m'en faire manger à mon insu, donc ça c'est pas très malin parce que moi ça n'a fait que renforcer la petite graine du végétarisme qui a poussé en moi, donc bon finalement tant mieux peut-être. Est-ce que du coup dans ta famille c'était très viandard ? Alors non, alors dans ma famille proche, aussi bien ma mère, alors mes parents étaient séparés donc j'ai grandi aussi bien avec l'un qu'avec l'autre, non c'était pas vraiment des gros viandards, mais par contre dans les repas de famille de Noël ou des choses comme ça, là évidemment, comme dans beaucoup de familles françaises, la viande était au centre de la table. Hein, le reste n'était que des accompagnements, mais l'important c'était la viande, quoi. Donc voilà. Donc j'ai grandi vraiment avec toujours cette idée de les animaux dans la forêt, on ne les chasse pas parce qu'ils font leur vie dans la forêt, on les laisse tranquilles, quoi. Et en grandissant, j'ai toujours gardé ça. Et puis j'ai commencé à réaliser qu'en fait les animaux qu'on mangeait, c'était finalement presque pire parce que ils n'avaient finalement même pas connu la vie en liberté. Ils avaient été... Ils naissaient directement dans des conditions de captivité, dans des élevages, pour grandir dans des élevages, pour être abattus, pour qu'on les mange. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais, non, mais en fait, c'est pire. C'est pire, c'est pire que tout. Ils connaissent même pas la liberté des animaux de la forêt. Et je me suis dit, bon, OK, quand je serai indépendante, quand j'aurai 18 ans et que je partirai faire mes études, je deviendrai végétarienne. Parce que c'est trop chiant. Je parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans, hein, donc il y a 23 ans presque. Donc autant te dire que le végétarisme, c'était pas du tout, du tout, du tout répandu. Il y avait presque pas l'internet à l'époque, donc on avait vraiment zéro ressource. Moi, quand je suis devenue végétarienne, il y avait un livre à la médiathèque dans lequel il y avait 5 lignes de paragraphes sur les végétariens en disant qu'il fallait faire très, 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 très attention parce qu'on pouvait avoir des carences. Voilà. Ah oui. Donc d'accord. Voilà, moi c'est dans ces... j'ai l'impression d'être très très vieille quand je raconte ça parce qu'on dirait que c'est un autre siècle tellement ça a changé depuis. Mais voilà, donc du coup, je m'étais dit OK, donc je vais avoir 14-15 ans à l'époque, je me suis dit OK, je serre les dents et je tiens jusqu'à mes 18 ans et à mes 18 ans, je deviendrai végétarienne. Et un soir, la nuit du 13 au 14 février, je me rappelle. Waouh. Je réfléchissais dans mon lit et j'étais là non en fait, je peux pas attendre, c'est plus possible. Je ne peux plus cautionner ça en fait. Je peux plus, c'est au-delà de moi. Et du coup, le lendemain, je me lève et j'annonce à ma mère, bon, en fait, maman, je suis désolée, je peux pas attendre mes 18 ans, je deviens végétarienne, je veux plus manger de viande. Elle m'a dit, bon, ok. Le jour de la Saint-Valentin, t'as déclaré ton c'est amour pour les animaux. Pour les animaux, finalement. C'est génial. Alors, dans ma famille restreinte, c'est-à-dire ma mère ou mon père, ça a toujours été respecté. Un petit peu autour, j'entendais...
Ah, mais elle fait sa crise d'ado, ça va lui passer, tu vas pas tenir. Ah oui, c'est vraiment tout ce que les gens m'ont dit. Oui, énormément. Bon, évidemment, plus on m'a dit ça, plus ça m'a renforcée dans mes convictions. Ça, c'est clair, parce que je n'allais certainement pas leur donner raison. Et contre toute attente, ça a été super simple. Vraiment, ça m'a pas manqué une seule seconde, et pas une seule seconde en 22 ans, en fait, hein, tu vois. Ouais, manger de la viande et du poisson, vraiment, ça a pas... Alors que j'adorais ça. Parce que les gens me disent, oui, mais bon, tu devais pas trop aimer. Ah si, si, moi j'étais du genre à manger les lardons crus dans la boîte de lardons. Enfin, voilà, le foie gras que faisait mon père, mais genre, j'en raffolais. Et puis en plus, comme j'étais direct à la source, on en mangeait souvent. On mangeait souvent du canard, les aiguillettes de canard, c'était mon truc préféré. Enfin vraiment, j'étais ouais, une grosse viandarde. J'aimais vraiment énormément ça. Le poisson, j'aimais pas, donc ça m'a pas du tout dérangé d'arrêter parce que j'en mangeais déjà pas finalement, ou presque pas. Mais ouais, la viande, vraiment, j'adorais ça. Je suis passée de quelqu'un qui adorait ça à quelqu'un qui n'en a plus jamais mangé, de manière finalement ultra simple. Vraiment. Et donc, du coup, comment tu t'es prise ? Parce que moi, à 15 ans, je me dis, je deviens végétarienne, je commence à manger que des salades, tu vois. Enfin, comment t'as fait, justement, pour, surtout sans internet, enfin. Ouais, je crois que on a un peu improvisé. Et puis, il y avait des plats que ma mère faisait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vachement ce souvenir de la tarte aux poireaux. Ma mère mettait des lardons dans la tarte aux poireaux. Et du coup, bah, quand je suis devenue végétarienne, c'était très rigolo. Elle mettait des lardons sur une moitié de tarte aux poireaux. Oh, trop mignon. Et alors maintenant, elle a vachement évolué parce que maintenant, elle met du tofu fumé. Même pour elle. Donc trop bien. Mais voilà, ouais, je crois qu'on a fait les mêmes choses sans la viande. Et peut-être en mangeant un peu plus. Alors franchement, si j'avais eu plus d'infos, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais en mangeant plus de fromage et d'œufs. Parce qu'il y avait la peur de manquer de protéines, qui est complètement, maintenant je le sais, complètement infondée dans nos sociétés hyper modernes et abondantes dans lesquelles on vit. On ne manque pas de protéines en fait. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que des protéines, il y en a partout. Il y en a dans les céréales, il y en a dans chaque végétaux, alors en proportion, voilà, c'est ça, ouais. En proportion variée bien sûr, mais en fait il y en a partout. Et à moins d'être vraiment dénutrie ou de souffrir d'anorexie, en vrai, en France, on ne souffre pas de carence en protéines. Voilà, à part des cas très très particuliers. Donc voilà, on a un peu improvisé, ouais. On a un peu improvisé, mais bon, a priori, tout allait bien au niveau de ma santé. Donc, Tu n'as pas senti, ouais, tu n'as pas eu des ressentis au niveau de ton corps Non, pas du tout. Pas du tout. En plus, à l'époque, j'étais lycéenne, j'étais à l'internat. Et bon, bah, la bouffe de cantine, c'est pas bon, hein, on va pas se mentir. Et du coup, ouais, c'était pas une période supra réjouissante en termes alimentaires. Tu vois, il y avait pas, à part les week-ends quand je rentrais, etc. Mais c'est vrai que bon, c'était pas le fun, mais à l'époque, c'était pas important pour moi, je crois. C'était pas important pour moi, ouais, j'ai vécu ce changement vraiment... Ouais, je le dis souvent, ça a été la décision la plus importante que j'ai prise dans ma vie. Parce que je crois que je suis quelqu'un qui, des fois, a du mal à m'affirmer. J'ai tendance à, des fois, un peu me conformer à ce qu'on attend de moi, à aimer rentrer dans le moule, à être un peu une bonne élève. Et là, finalement, c'était vraiment un pas de côté que j'ai fait qui, à l'époque, était vraiment un sacré pas de côté. Et pour autant, je l'ai tenu avec une facilité déconcertante. Quand je m'en aperçois avec le recul, ouais, ça a été vraiment, vraiment très, très facile. Et je pense que ça a été un jalon hyper important pour, voilà, oser m'affirmer, oser tenir mes décisions, mes convictions, et vraiment ouais, les respecter, me dire que mes convictions, elles sont importantes, et que je tiens, je ne cède pas, malgré les critiques, malgré les débats interminables que j'ai vécu, voilà, pas un problème, je tiens bon, je tiens le cap, et voilà, et c'est mon phare dans la nuit, quoi, vraiment, c'est, il fallait tenir ça, quoi. Et en même temps, enfin, ça me semble presque évident parce que quand on parle donc du coup de changement, c'est vrai que parfois ça peut paraître difficile, soit parce que le changement est subi, soit parce qu'il est voulu, mais au fond nous, on sent parfois que c'est difficile, que c'est dur. Là, j'ai l'impression que tu étais quand même adolescente, donc c'est un moment de notre vie où on commence à se poser des questions sur notre identité. Mmh. Et justement, je pense, enfin, en tout cas, tu me diras si c'est un peu comme ça, mais c'était quelque chose qui était tellement en alignement avec tes valeurs. Que du coup, c'est comme si tout d'un coup, tu t'étais un peu trouvée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Ouais, tout à fait. Ça a été la première occasion que j'ai eue dans ma vie d'aligner mes valeurs
et mes actions. Pour moi, c'est ça être végétarienne, en fait. C'est faire cet alignement-là. C'est la même chose avec les véganes. Alors moi, j'ose pas me considérer comme végane parce que bah, je n'y arrive pas, hein, malheureusement. Donc voilà. Il y a encore des choses qui sont compliquées pour moi dans le véganisme. Mais justement, effectivement, je le vois aussi comme bah, des personnes qui arrivent à aligner leurs valeurs avec leurs actions. Et je crois qu'en fait, effectivement, quand on arrive à faire ça, bah, on est à l'aise, on se sent tellement bien et tellement... Je ne sais pas comment dire, regaillardi, je sais, il y a un mot comme ça. Bref, on se sent vraiment porté par ça, quoi, en fait. Et effectivement, ça donne de la force, ça donne du courage. Et, ouais, et ça rend les choses plus faciles à vivre aussi. Ça rend plus facile le changement, ouais, finalement. Tout à fait. Il y a eu d'autres moments où tu t'es sentie comme ça, où tu t'es sentie alignée où... Alors oui, il y a eu d'autres moments. Je pense qu'un des moments importants, c'était mon travail d'assistante sociale, parce que bah, ça me permettait bah, d'aligner mon travail avec des valeurs humanistes, avec un métier qui avait du sens, avec aider, accompagner ces familles à faire face au système administratif très compliqué en France, voilà, à les accompagner dans leur cheminement avec leur enfant et tout ça. Et ça, bon, bien, voilà, moi, ça avait du sens, ça me correspondait. C'était un moment important pour moi aussi d'être dans ce métier-là qui avait du sens. Et du coup, l'autre moment où j'ai aligné mes valeurs aussi avec mes actions, bah, ça a été de quitter ce travail-là pour me mettre à mon compte, pour explorer davantage encore ma créativité en photo. Ça a été quelque chose que j'ai découvert vraiment sur le tard. Pour moi, voilà, je pensais vraiment être quelqu'un qui n'était pas créative. Parce que pour moi, les gens créatifs, c'était les dessinateurs, c'était les peintres, les sculpteurs, ceux qui n'avaient jamais arrêté de produire des œuvres artistiques depuis leur enfance, finalement. Et moi, je n'étais pas cette personne, moi, je ne sais pas dessiner. Maintenant, j'en arrive à me dire, bah, en fait, je pourrais apprendre, parce que voilà, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un don qu'on avait ou qu'on n'avait pas. Et finalement, je m'aperçois que bah, non, en fait, tout ça, ça se cultive, en fait. Tout ce travail. Tout ce travail, ouais. Exactement. Et voilà, ouais, là, ça a été, c'est aussi un moment en ce moment. Donc là, j'en parle, mais finalement, j'ai l'impression d'être en train de le vivre en même temps que j'en parle. Mais ouais, c'est de trouver un travail où ma créativité puisse s'exprimer. Et voilà. La photographie est venue comment dans ta vie, justement ? La photographie, elle est venue grâce à mon blog de cuisine. Quand j'ai ouvert mon blog de cuisine, il y a 8 ans, bientôt 8 ans, je mettais des photos, des plats que je cuisinais, évidemment, comme illustration, normal, comme tous les blogs de cuisine qui étaient très à la mode à l'époque. Et honnêtement, quand... Alors, heureusement, les photos ont disparu dans les méandres de l'Internet, parce que... au secours, quoi. Mais à l'époque, j'avais vraiment zéro complexe. J'avais pas le but de faire du tout des jolies photos. Juste, il fallait que les gens aient une idée de ce à quoi ça va ressembler, grosso modo. Les seules choses que j'avais en tête, c'est qu'il fallait pas utiliser le flash, etc. Enfin, juste des tout petits trucs comme ça. Mais vraiment, je ne savais pas du tout faire de photos. J'avais un tout petit appareil photo numérique compact à l'époque, et ça m'allait très bien. Et puis finalement, j'ai eu l'occasion d'avoir un appareil un tout petit peu mieux, un Bridge, je crois. C'était un cadeau ? Ouais, c'était un cadeau. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que bah, si on prenait les photos de la lumière naturelle, bah, c'était quand même mieux. On essayait de faire des cadrages et tout ça, bah, c'était quand même un peu plus sympa. Puis finalement, voilà, ça a continué. Et le gros déclic, bah, finalement, il m'est venu du matériel, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de gagner un appareil photo réflexe à un concours. Il y a 4 ans, bientôt 5. C'était un concours de quoi ou... Oh là là, c'est une longue histoire. C'était une marque de simili carnet à base de lupin qui faisait un concours où ils voulaient se faire connaître à tout prix. Donc, ils avaient fait vraiment un gros concours avec des gros lots. Et le premier prix était un vélo électrique. Et moi, je visais le premier prix. À l'époque, je voulais impérativement un vélo électrique. Je te passe les modalités du concours, mais il y avait tout un système de points, etc. Et en fait, moi, je suis arrivée deuxième. Et le deuxième prix, c'était l'appareil photo. Alors, j'ai pas craché dessus, hein, mais bon, je voulais le vélo électrique, mais bon, tant pis. Et du coup, j'ai eu cet appareil photo, donc c'était un peu comme mettre une Rolls-Royce dans les mains de quelqu'un qui vient d'avoir le permis, quoi. J'étais là, waouh, qu'est-ce que je fais avec ça ? Pendant très longtemps, je suis restée sur le mode automatique, sans chercher vraiment ni à comprendre, ni à explorer davantage. Et puis finalement, je l'ai pris un peu en vacances, puis je me suis un peu amusée avec les paysages, avec les portraits. Puis voilà, tout naturellement, c'est venu, et puis...
Le fait d'être sur Instagram un peu plus active aussi, ça m'a fait avoir beaucoup d'inspiration. Alors je sais qu'Instagram peut être pour certains et certaines source de frustration parce que on n'y voit que du beau, des fois on y voit du fake aussi, donc c'est pas forcément très agréable. Moi en l'occurrence, j'essaye d'avoir un usage uniquement positif d'Instagram et pour moi c'est de l'inspiration photographique. De l'inspiration en photo culinaire, mais en tout autre type de photo. Et là, vraiment, là, pour moi, ça a décollé, quoi, de me dire, waouh, mais en fait, il y a tellement à faire. Et finalement, voilà, c'est venu tout naturellement. Et depuis un an ou deux, effectivement, c'est aussi de prendre mon appareil photo sur d'autres types d'événements, faire des portraits, faire des photos de mes vacances. Et là où c'est magique, c'est que ça m'a fait voir le monde différemment, en fait. C'est-à-dire que je suis devenue attentive à la lumière. Chose qu'avant, je n'y prêtais pas du tout attention. Mais là, je vais remarquer si la lumière elle est plutôt dorée, s'il y a des reflets sur tel bâtiment qui serait sympa à immortaliser, les reflets de l'eau sur l'océan l'été, l'hiver, de m'apercevoir que le ciel il est d'une couleur différente quand c'est plutôt l'été, quand c'est plutôt l'hiver. Des choses que je ne voyais pas du tout avant. Et là, ça me happe complètement. Je ne vois plus que ça. Et c'est génial. C'est génial de voir que ça a pris tant de place dans ma vie, en fait, et que ça me fait voir le monde d'un prisme différent. T'étais parmi les premières personnes à être sur Instagram ? Non, pas du tout. Non, j'y suis venue sur le tard. L'autre jour, je suis retombée sur ma date d'inscription en cherchant des trucs dans mes paramètres Instagram. Je crois que je suis inscrite depuis 2012. Mais au début, je me servais juste des filtres et j'enregistrais les photos pour les mettre sur Facebook. Je crois que je faisais un espèce de truc comme ça, enfin complètement, voilà. C'était vraiment un usage perso. Et après, j'y suis venue pour le blog, etc. Mais je ne saurais plus te dire en quelle année c'était. Mais ouais, ça doit faire 2-3 ans que je le prends un peu plus sérieux. Avec des guillemets parce que je suis quand même aussi là beaucoup pour m'amuser, mais en plus ouais, Instagram au-delà de la créativité ça fait rencontrer des gens, ça fait nouer des liens, exactement. Donc ouais, moi c'est un réseau social que je continue à bien aimer même s'il est absolument imparfait comme beaucoup d'autres choses. C'est vrai que c'est beaucoup, enfin quand on regarde ton compte sur Instagram, moi j'ai l'impression que tu as cette capacité à non pas rendre les choses belles mais plutôt à sortir ce qui est déjà beau, en fait tu fais ressortir ce qui est déjà c'est là gentil. Que ça soit dans tes photos, enfin du coup dans tes photos culinaires, les photos des plats que tu cuisines ou que tu nous fais découvrir, mais aussi dans tes photos à toi. Moi je trouve que à chaque fois il y a quelque chose de très très beau qui émane. Merci beaucoup, c'est très touchant. Ça fait chaud au cœur. Merci. Donc c'est ça, ouais, ça donne un petit truc de positivité. C'est ce que j'essaye, ouais, de mener, ouais. Comme je le dis souvent, je suis sur d'autres réseaux sociaux. Facebook, j'y suis plus pour le perso, grosso modo. Et Twitter, c'est là où je m'énerve sur Twitter. C'est là où je suis vachement de compte, hyper engagée, etc., hyper politisée. Et c'est là où je m'informe énormément sur plein de sujets sociaux qui me tiennent à cœur, sociaux, politiques, écologiques, féministes. Et c'est là où je suis un peu plus énervée. Et effectivement, pour moi, Instagram, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce qu'il y a de plus en plus de comptes militants, et je trouve ça chouette qu'ils aient leur place sur Instagram. Mais c'est vrai, voilà, pour moi, Instagram, c'est là où j'ai envie de dégager de la positivité et d'en recevoir aussi. Et justement, pourquoi tu as fait le blog ? C'était quelque chose que tu as fait au début pour toi, parce que ça t'amusait, parce que j'imagine que du coup, tu débarques à Toulouse, tu as 18 ans, c'est le moment où on commence à apprendre à faire à manger par nous-mêmes. Donc voilà, tu t'es dit, ok, je suis végétarienne, il faut que je l'adopte, il faut que je sois... Et alors le blog, il est né bien après que je sois à Toulouse, finalement, que je sois arrivée, parce qu'il est né en 2012, le blog. Du coup, ça ne fait que, entre guillemets, 8 ans. Et il est né au lendemain, quasiment, de ma vision d'un documentaire sur Arte qui s'appelait « L'adieu au steak », qui montrait des conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Donc qui enfonçait le clou, hein, grosso modo, quand on est déjà végétarien, voilà. Et ce blog, il m'a fait prendre la décision d'essayer d'être végane. Donc d'essayer d'éliminer, d'aller plus loin, d'éliminer les œufs, d'éliminer les produits laitiers, d'éliminer le fromage. Ça me semblait compliqué. Et du coup, je me suis dit, prouve-toi à toi-même qu'en fait, c'est faisable. Donc du coup, à la base, effectivement, j'ai ouvert ce blog un peu pour moi et un peu pour les quelques personnes qui allaient éventuellement pouvoir me lire, de leur montrer, de me montrer à moi que les recettes véganes, en fait, c'était bon, que c'était varié et qu'on pouvait vraiment se régaler. C'était vraiment mon postulat de départ et c'est encore celui que j'ai aujourd'hui, même si moi, je ne suis pas
à 100% végane dans ma vie de tous les jours. Sur le blog, en tout cas, tout ce que je présente, que ce soit des produits cosmétiques ou les recettes, c'est 100% végane. Ça, c'est, voilà, ça, j'y tiens. Parce que je tiens vraiment à montrer que cette alternative, elle est faisable, en fait. Oui, que c'est voilà. possible. Ouais. Et justement, si tu devais donner des conseils à des gens qui souhaitent changer leur alimentation, peut-être pas alors devenir végétarien, mais même diminuer leur consommation de viande, parce que c'est tout à fait respectable aussi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Alors, je pense d'un point de vue vraiment très pratico-pratique, comme on dit, ça dépend peut-être des gens, mais moi, ce que je conseille, et en général qui marche, c'est d'y aller doucement. C'est-à-dire de commencer peut-être par faire un plat par semaine. Juste ça, c'est peut-être rien, mais il y a des gens qui mangent tellement de la viande, limite matin, midi et soir, que déjà, pour eux, ça sera beaucoup. Voilà. Après, évidemment, on adapte. Si on a déjà l'habitude de manger peu de viande, ben, on peut passer à, j'en sais rien, tous les dîners végétariens, par exemple, quelque chose comme ça. D'y aller petit à petit, peut-être, ça peut aussi aider de végétaliser des recettes dont on a l'habitude. Par exemple, des lasagnes. Moi, je trouve que c'est le plat hyper fastoche à végétaliser. Pendant très longtemps, moi, je les ai faites simplement aux légumes. Je mettais des courgettes, des aubergines en été, par exemple. Et c'est délicieux. On a toujours... on a les mêmes clignotants qui s'allument dans le cerveau. Et ça, du coup, c'est réconfortant. On a les pâtes, on a la sauce tomate, on a le gratiné par-dessus. Du coup, on peut aussi mettre des protéines de soja ou mettre du haché végétal qu'on va trouver maintenant dans tous les supermarchés, en plus. Voilà, ça peut... Oui, c'est vrai que c'est devenu très accessible. Il y a beaucoup plus de petites aides culinaires qui sont plus facilement trouvables et qui peuvent aider. Pareil pour ce qu'on appelle les simili-carnets. Les simili-carnets, ce sont des produits qui viennent imiter, je mets quelques guillemets, ou remplacer en tout cas la viande. Ça peut être les saucisses végétariennes, ça peut être les steaks de soja. Alors je crois qu'on n'a plus trop le droit légalement d'utiliser ces mots maintenant, bon, pour pas que ça porte à confusion. Mais je pense que peut-être, pour certaines personnes, ces alternatives-là, elles peuvent aider parce que, par exemple... Pour manger un burger, on va au supermarché comme on a l'habitude. Au lieu de prendre le steak qui vient d'un animal, on va prendre celui qui est à base de soja et de blé. Et on se fait un burger exactement comme avant. Et du coup, on se dit, ok, tout n'est pas perdu, on a nos repères, on n'est pas effrayé par le changement. Et du coup, peut-être que c'est plus simple. Voilà. Après, ces simili-carnets ne sont absolument pas indispensables pour une alimentation végétarienne équilibrée. Chacun fait vraiment comme il le souhaite. Mais pour certaines personnes, je pense que ça peut aider à rendre le changement plus facile. Voilà. Ensuite, je dirais aussi, ce qui peut aider, c'est de se rappeler pourquoi on le fait. On peut devenir végétarien pour plein de raisons différentes. Il y a beaucoup de gens qui passent le pas en ce moment, je trouve, pour des raisons écologiques, qui sont des raisons vraiment valables, parce que l'élevage, c'est l'un des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc, réduire sa consommation de viande, quand on est écolo, clairement, c'est une des premières mesures à prendre, vraiment. Mais voilà, quand c'est dur, peut-être se rappeler pourquoi on le fait. Moi, c'est les animaux. Moi, à la base, c'était vraiment l'éthique animale. Il y a 20 ans, malheureusement, on ne parlait pas d'écologie. Pourtant, le désastre était déjà en marche. Mais bon, bref, on n'en parlait pas encore. Mais voilà, moi, c'était vraiment l'éthique animale. Et effectivement, revenir à la base et se dire, c'est vrai que c'est pour ça que je le fais. Pour se renforcer nos convictions. Ce qui peut aider aussi, c'est de s'entourer d'autres végétariens, que ça soit virtuellement ou localement, si on a la chance d'être dans une commune où il y a de temps en temps des soirées, par exemple sur Toulouse, je sais qu'il y a l'association Végoresto qui propose des repas végan même dans les restos de temps en temps. Donc ça peut être le moyen de rencontrer d'autres personnes et de se sentir moins seul. Et pour revenir aux pratico-pratiques aussi. Beaucoup de personnes redoutent de devenir un boulet, redoutent d'être chiante, désolée du mot, pour l'entourage. Redoutent que ça soit compliqué quand elles vont manger quelque part ou quand il faut choisir un resto. Là, autant que possible, essayez d'anticiper un maximum. Appelez le restaurant à l'avance pour savoir s'ils peuvent préparer quelque chose de végétarien ou de végétalien, si vous le souhaitez. Prévenir les copains. Ah, tu sais, maintenant, je mange plus de viande. Qu'est-ce que tu avais prévu de faire? Est-ce que tu veux que je ramène quelque chose? Toujours ramener. Un conseil, ramener en grande quantité parce que tout le monde voudra goûter. Mais oui, non, mais bien ça, sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est quelque chose. Et en plus, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je vis au quotidien parce que la plupart de mes amis ne sont pas végétariens. Donc, du coup, à chaque fois, j'ai l'impression d'être hyper chiante avec tout le monde. Donc, en fait, c'est toujours moi, du coup, qui choisis le resto. Comme ça, c'est facile. Je fais un peu pareil. Et c'est vrai, et mythe numéro 1, la cuisine végétarienne n'est pas chiante. On est bien d'accord. On est hyper d'accord. Il suffit de voir les photos de ton blog pour voir et pour s'en rendre compte. Non, mais que ça peut être beau, ça peut être gourmand et ça peut être vraiment quelque chose de très plaisant.
Tout à fait. Comme expérience. Tout à fait. Et heureusement, dans les restos même classiques de cuisine française, il y a de plus en plus d'options végétariennes ou de choses qui sont très, très facilement rendues végétariennes. C'est un poil plus compliqué quand on est végane ou quand on essaye de l'être parce que bah, le beurre et la crème et le fromage sont encore très présentes dans la cuisine française et très présentes dans les options végétariennes. Très souvent. Donc, j'avoue, c'est un poil plus compliqué, mais c'est pas infaisable. Il y a plein de véganes qui le font et qui y arrivent très, très bien. J'ajouterais aussi, pour beaucoup de personnes, ce sont encore les femmes qui s'occupent de faire les repas à la maison. Et quand ces femmes-là décident d'être végétariennes, bah, souvent, si elles sont en couple hétérosexuel, bah, en général, leur compagnon, lui, il ne suit pas forcément le même chemin. Et du coup, elles se retrouvent à devoir cuisiner de la viande pour lui, à ne pas savoir quoi faire. Oh, j'ai envie de dire, mais laissez-le se débrouiller. S'il veut vraiment de la viande, il se fera cuire son steak. Hein, voilà, il est grand. Voilà, donc faites ce qui est bon pour vous et que les personnes qui vous aiment essayent de comprendre que c'est important pour vous, en fait. Complètement, complètement. Les personnes qui... Ouais, effectivement, moi, il n'y a aucun ami qui m'a dit « Oh, mais en fait, t'es chiante. » En fait, c'est vraiment ma propre croyance. C'est ça, on a peur de... on veut pas déranger, etc. Ça. Et moi, c'est vrai que ouais, j'ai de plus en plus de facilité à déranger et à m'imposer. C'est pas un souci, maintenant. Mais non, mais c'est mais bon, bien. Il m'aura fallu plus de 20 ans, donc ne perdez pas autant de temps que moi. Imposez-vous. Non, mais c'est vrai, il faut le faire. Il faut le faire, parce qu'en plus, les gens qui vous aiment vraiment... Ils ne vont pas vous dire « Oh là là, encore avec tes trucs, tes histoires. » Et au final, ils vont passer un très bon moment. Ils vont découvrir une cuisine variée, sympa. Tout à fait. Et peut-être qu'ils se mettront aussi. Oui, j'espère. Dernier point, en plus de 20 ans de végétarisme, autant te dire que des soi-disant débats sur être végétarien, manger de la viande ou autre, j'en ai peut-être eu des milliers. Voilà. Mais très souvent, ce ne sont pas des débats. Très souvent, les gens ne souhaitent pas vraiment discuter. Ils souhaitent soit se moquer, soit dire « Oh là, quand même, une bonne entrecôte oh, !» oh, oh. Ben non, au bout de la 18e mille fois qu'on entend cette blague, ça n'est plus drôle du tout. Et souvent, des fois, je ne sais pas si toi aussi ça t'arrive, mais des fois, on se retrouve à passer des repas entiers à parler de pourquoi on ne mange pas de viande. Ah oui, complètement. Ah oui, et oui, moi, oui, ça, je ne peux plus. Et du coup, j'ai appris à couper court et à dire, des fois aimablement, des fois pas très aimablement, parce que je perds patience, à dire « Écoute, là, je mange, je ne souhaite pas parler de ça en ce moment. Si tu veux, on reprend la discussion plus tard. Mais là, j'aimerais juste profiter de mon repas. » Les gens font un peu la gueule, mais au bout d'un moment, moi, je n'en peux plus. Non, voilà. Non, mais c'est vrai, il faut aussi s'affirmer. Et comme tu dis, parfois, on fait des changements, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de comment on se voit, nous, enfin, dans le miroir, enfin bref, n'importe quel type de changement qu'on peut vivre, ça va forcément faire changer et faire basculer un petit peu notre entourage, notre environnement. Oui. Et il faut accepter que ça va avec, mais qu'au final, on a décidé de faire ce changement pour aller mieux, pour être mieux dans notre peau, parce que du coup, on est plus aligné avec nos valeurs. Donc, tout à fait. Acceptez-le. Pas tout le monde le comprendra, mais ce n'est pas grave. Non. Ce qui est important, c'est d'abord commencer par soi, être bien dans sa peau. Et puis, tu as tout à fait raison. De toute manière, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. C'est on ne pourra jamais être d'accord avec tout le monde. C'est et c'est OK. C'est OK, la vie, elle est comme ça, elle n'est pas toute blanche ou toute noire. Voilà, ouais, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec nos convictions, ben, c'est OK. C'est ça. Bon, ben, merci beaucoup du coup pour ces conseils. Avec plaisir, j'espère que ça aidera. Ben ouais, non, je suis sûre que ça aidera. Quels sont les changements à venir que tu voudrais partager avec nous ? Alors, les changements à venir, ils sont plutôt composés de bonnes nouvelles, donc je suis contente de pouvoir en parler. Félicitations déjà. Merci beaucoup. La première nouvelle, c'est que cette année 2020 sera l'année de la sortie de notre premier livre écrit à quatre mains avec mon amie Camille Pédicier, qui est naturopathe sur Toulouse. Alors, on a déjà commencé l'expérience ensemble. Ça fait 10 ans qu'on est amis cette année. Et on a écrit l'année dernière deux ouvrages ensemble qui s'appellent Nature Rock'n'Roll, qui sont des guides saisonniers qui mêlent naturopathie et cuisine de saison. J'ai la chance d'avoir entre mes mains aujourd'hui. Donc, on a sorti le tome de l'automne et le tome de l'hiver. On les a fait en auto-édition. Le premier de l'automne avait été fait juste en format numérique, en e-book. Et celui de l'hiver, on avait sorti quelques exemplaires en format papier parce qu'on avait eu des demandes. Et il se trouve qu'on a été contacté par une maison d'édition, les éditions Améthyste, qui sont basées à Toulouse et qui souhaitent éditer des versions augmenté et enrichi de ces guides. Donc a priori, on part sur une mini collection de 4 guides et le premier à sortir, ce sera celui de l'automne qui va sortir du coup au mois de septembre. Donc on est
vraiment très, très, très contente de ce projet à venir. Ah, oh, c'est super, mais bravo, félicitations. Merci beaucoup. Pour ça. Merci hâte de le beaucoup. Lire, du coup, hâte que ça soit là. Oui, merci beaucoup. Et l'autre projet à venir, c'est pour moi de développer encore plus mon activité de photographe. Jusqu'à présent, les contrats que j'avais étaient plutôt avec des marques au niveau national, j'ai envie de dire, qui avaient besoin soit de visuels pour leurs réseaux sociaux, ou de création de recettes à partir des produits qu'elles commercialisent. Et là, j'aimerais m'installer aussi à un niveau plus local pour travailler pour des restaurateurs, pour des traiteurs. Et aussi, j'aimerais beaucoup travailler avec des créateurs, des créatrices et des artisans pour mettre en valeur leurs produits. Cette année a été pour moi l'occasion de rencontrer énormément de créatrices géniales, adorables. Et je vois que pour certains artisans, pour certaines créatrices, c'est pas forcément évident de mettre en valeur leurs produits par des photos, parce que on sait pas forcément tout faire et c'est complètement normal. Des fois on peut être très très doué pour faire des bijoux ou pour faire des pâtés végétaux, mais en même temps les prendre en photo pour les vendre sur internet, c'est pas évident, et je comprends tout à fait. Moi du coup j'ai trop envie de mettre mes petites compétences photographiques au service de ce genre de professionnels et de projets. Donc c'est ça, génial. Vraiment que je souhaite développer cette année. Ah bah c'est super, je découvrirai Toulouse grâce à toi du coup. Comme voilà ça, peut-être. C'est top. Et on passe à la dernière question, la question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités parce que pour l'instant je n'ai pas que eu... Des femmes. J'ai eu que des femmes et j'en suis ravie. Si tu devais changer une seule chose dans ce monde, en gros si on te donnait une baguette magique qui te permettait de changer une seule chose dans ce monde, qu'est-ce que tu changerais? Alors, je savais que c'était la question que tu posais à toutes tes invitées, du coup, j'y ai réfléchi un petit peu avant et j'ai hésité longuement entre deux réponses. Et du coup, je vais opter pour la réponse la plus longue. Je crois que pour moi, si j'avais une baguette magique, j'aimerais que chacun soit plus conscient. J'aimerais que chacun puisse prendre conscience de ses privilèges. Pour mieux comprendre de la place de laquelle il parle et ainsi pour cultiver plus de compassion. Pour moi, ça va de pair. Je pars d'un concept hyper politique pour finalement arriver à un concept beaucoup plus humaniste. Je trouve qu'on vit dans une société où tout va très vite, où les crispations arrivent très vite, où les mésententes, les conflits arrivent très vite, les désaccords de tout genre. Et j'ai l'impression que si chacun... on prenait plus en compte notre environnement, de là où on parle, d'où on vient, quelle éducation on a reçue, quel statut on a dans cette société. Est-ce qu'on est un homme? Est-ce qu'on est une femme? Est-ce qu'on est hétéro? Est-ce qu'on n'est pas hétéro? Est-ce qu'on est trans? Est-ce qu'on est cisgenre? Est-ce qu'on a un travail? Est-ce qu'on n'a pas de travail? Tout ça, ça conditionne énormément notre manière dont on voit le monde. Et du coup, plus on sera consciente de notre propre place, plus on sera amené, je pense, à avoir de la compassion pour les autres et à peut-être essayer de mieux se comprendre pour essayer de construire une société qui soit un peu plus égalitaire, un peu plus équitable. Voilà, c'est un peu un grand, grand rêve de Miss France, mais allez, allons-y, 2020, on va essayer. Bah écoute, je te souhaite, on met ça dans l'univers. Voilà, et on le sème. Que ça va, voilà, que ça va se répandre. Et que tout le monde pourra se regarder dans les miroirs. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile. Non, c'est vraiment pas facile. Surtout quand on utilise le terme privilège, les gens se crispent. Parce qu'on a tendance à dire, non mais attends, mais moi je suis pas privilégiée. Hein. Pour moi c'est dur la vie aussi. Ouais, mais en fait, alors ça veut pas dire... Enfin, pour moi, checker ses privilèges, ça veut pas dire... Ça n'est pas se dire, il y a toujours pire ailleurs. Pour moi, ça n'est pas se dire ça. Mais c'est vraiment effectivement prendre conscience. Moi, par exemple, je suis une femme blanche, j'ai un toit sur la tête. Bah ouais, ça va pour moi, en fait. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme tu dis, ouais, se regarder dans le miroir. Et se rendre compte qu'on est tous connectés, finalement. Oui. Et que du coup, si je m'aime, je dois aimer forcément celui qui est en face de moi ou à côté de moi. Donc, bah écoute, merci beaucoup. C'est avec un très plaisir, joli mot pour Laura. La fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Expand your horizons in all directions.